Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on va jouer à Variable Géo sur Super NES. Alors c'est un versus fighting qui a la particularité que de n'avoir que des femmes dans, parmi ses combattantes, il n'y a pas d'hommes. Et c'est aussi un jeu Super NES. Alors chaque combattante a son style propre à elle et ont la même manière de jouer que les personnages de Street Fighter. Alors on va faire les présentations. Alors, je laisse l'intro parce que vous allez voir pourquoi, parce qu'elle est géniale, parce qu'on a tous les personnages qui vont être affichés un à un. On a vraiment une magnifique présentation. C'est ça qui est bien dans le jeu. J'attends un petit peu. Donc là ici, Yuka, c'est l'équivalent de Ken, Ryu et Dakuma, donc c'est un personnage du ado. Là ici, Shio est l'équivalent de Vega. Ici, c'est l'équivalent de Blanca. Pour Manami, elle fait une roulade comme Blanca. Là, l'équivalent de Zangief et Dernica, c'est John. Elle est assez lente. Là, on a l'équivalent de Sakura, Satomi, et physiquement, elle ressemble à Sakura. Ici, c'est l'équivalent de Poison, Ayako, la même manière de se battre et le même style vestimentaire. Là, on a l'équivalent, donc là, c'est Irina, c'est une russe comme Ernica, mais elle joue un petit peu comme Chun-Li, égale avec ses charges. Kaori, c'est l'équivalent de Juri. Et enfin, ici Rémi, qui est la méchante du jeu comme Bison, à l'équivalent de Gaël dans sa façon de jouer avec son Flash Kick et son Sonic Boom. On est parti. Allez, on va prendre l'équivalent de Kaneru, Yuka. Et on affronte Shio, l'équivalent de Vega pour commencer. Et on y va. 2e combat. Allez, là on a l'équivalent de Blanca. Elle me fait penser à l'un des personnages de Tekken 7, la petite demoiselle avec ses écouteurs, son casque, ses oreilles de chat, puis les mêmes gants, et des pattes de chat. Une petite demande de rappel. Elle fait des roulades comme Blanca, vous pouvez le voir. Elle est kawaii comme Felicia dans Dark Stalker.
continue. Secondo vapor. Troisième adversaire. On se débrouille vachement bien. Je suis contente. Allez, Zangief maintenant. Non, putain, la prise dévastatrice. On continue. Secondo vapor. Non. Sauter comme Zangief. Alors là, ça a été vite fait, bien fait. Franchement, aucune difficulté. One by Yuka. On va continuer. Allez, ça couvre maintenant. Quatrième adversaire. De se battre par terre comme ça. Je me laisse pas faire. On continue. Secondo vapor. Là, j'ai spammé le coup de pied de Terry Bogard, tu peux chercher à comprendre. Et ça a porté ses fouilles, hein, franchement. Hein. Elle est vénère. Hein.
Allez, on apprend poison là. Elle est en mode coureuse la poison. J'avais peur. Je rigole, mais faut pas qu'elle nous approche. Elle fait exactement les mêmes techniques de coup de pied que poison quand vous regardez. Coup de pied dans les airs, en haut, à la verticale et à l'horizontale. Exactement la même chose. Et elle a le même style vestimentaire, c'est ça qui est rigolo. Allez, alors là, ce personnage-là, elle a l'accent russe de Hermika, mais elle a le système de charge de bas-haut comme Guy et Chun-Li. Donc elle a une technique qui sera avec un lance-flamme comme Crimson Viper, et la technique de coup de pied en haut, ça me fait penser à Juri. Non! Et elle est russe comme Hermika. Un des meilleurs personnages aussi. J'allais avoir ma première défaite. Elle est assez coriace hein, parce que c'est l'un des meilleurs personnages. Hein. Non. C'est être que plus de coups spéciaux.
Et elle a des bracelets comme Chun-Li. Allez, maintenant, on affronte notre double. Donc, c'est comme si c'était Ken contre Ryu. Ou Ryu contre Ryu, ou Ken contre Ken. On y va. Au revoir. On a eu le clone. Won by Yuka. Ah là, je fais du sans faute, hein. Je rigole pas. Ouais, bon. C'est comme du Street Fighter. Une fois qu'on a pris la main, ça va tout seul. Allez, on est parti pour la femme à lunettes. Allez, on y va. Bon, normalement, c'est l'avant-dernière adversaire. Et elle se bat un petit peu comme une jury. Voir Elena, tout simplement, parce qu'elle utilise beaucoup ses jambes aussi. Allez, on y va. Elle est traumatisée, elle a peur, la pauvre. Elle a peur. Le coup qu'elle a fait dans les airs, c'était un équivalent de Dalsim en fait. Non, arrête tes conneries, toi. Ok. Un antivirus qui s'active maintenant. Tout pour plaire. Allez, on passe à la méchante du jeu, donc à Bison,
qui a la technique de Guile. On y va. Ouais, hein, faut s'approcher. Hein. Elle est plus peureuse que le bison. Alors, elle a la dégaine d'Aphrodite des poisons. Le côté avec la rose, ça me fait penser à Vega. Elle a la façon de se battre de Guile. Avec ses sonic boom, elle fait aussi un flash kick. Hein, parce qu'elle l'a pas fait. Et c'est le boss de fin comme bison. Bah alors viens ici. Ah bah oui, mais là tu meurs. Hein. Bon alors normalement on a terminé le jeu. Ah ça c'est le problème du CPU dans le jeu là. Une fois qu'on spam les Hadouken, et ben le CPU il se met en mode défensif et il ne bouge plus. Voilà, on a terminé le jeu là. Ah. Donc ben, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie via Super Variable Geo sur Super NES. Alors comme vous avez pu voir, c'est un versus fighting qu'avec des combattantes. Et elles ont toutes leurs façons de se battre particulières, donc des différents styles de sport de combat. Et le personnage que je viens de prendre, c'est l'équivalent de Ken et Ryu. Donc chaque personnage a une technique qui nous rappelle sans conteste les personnages de Street Fighter, comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai expliqué. Donc désolé, je comprends pas le japonais, donc je sais pas ce qui se dit dans la cinématique de fin pour Yuka. Malheureusement, ça c'est le petit bémol. Ça aurait été en anglais, ça aurait été un peu plus faisable à traduire, mais là c'est autre chose. Je n'ai jamais fait de japonais, donc je peux pas vous dire ce qui se passe. Voilà. Donc franchement, ce jeu est vraiment impeccable. Donc si vous êtes fan de Street Fighter, vous aimerez sans doute Super Variable Geo, comme moi je l'aime autant. Franchement, c'est l'un de mes versus fighting préférés qui est malheureusement pas très connu et qui pourrait largement avoir une suite, hein, parce que franchement, le gameplay des personnages est très plaisant à prendre en main et il rappelle sans conteste les techniques des personnages de Street Fighter. Les personnages sont charismatiques, bien que ce soit tous des femmes. Donc moi c'est un plaisir, mais si vous aimez pas les femmes, c'est pas la peine. Mais ça change et c'est un jeu spécial girls power entre guillemets. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera très plaisir et ce sera un magnifique signe de soutien à mon égard. Donc toi, n'appuie pas sur les manettes parce que tu t'appuies dessus, merci Camille.
Donc je disais, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera très plaisir et ce sera un magnifique signe de soutien à mon égard. Si vous avez d'autres idées de jeux rétro à me préconiser pour la suite de mes vidéos à venir ou pour mes prochains lives du vendredi soir à 21h30, n'hésitez surtout pas à me laisser les titres des jeux auxquels vous voudrez me voir jouer par la suite en dessous de la vidéo. J'en prendrai note dans mon petit carnet pour la suite de mes vidéos à venir ou pour mes prochains lives du vendredi soir à 21h30. Si vous avez des suggestions, des remarques ou d'autres choses à me communiquer, c'est pareil, n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire. Toujours en dessous de la vidéo, je serais ravie de vous lire, de vous répondre, voire de prendre vos conseils en considération. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé cette vidéo sur Super Variable Géo sur Super NES. Et je vous dis à bientôt. Ce qui est curieux, c'est que le score ne s'affiche pas. Je vais quand même regarder vite fait. Parce que bon... On n'a pas rentré le pseudo, j'ai regardé juste par curiosité. Je regarde vite fait, c'est juste pour voir si le score il s'affiche. Ah. Ouais, c'est bon, voilà. Sauf qu'on rentre pas notre pseudo. Enfin voilà, le score de fin. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé cette vidéo sur Super Variable Géo. Et je vous dis à bientôt!